Uche! Oui, papa? Viens. Viens et apporte une chaise, on doit discuter maintenant même. Apporte une chaise, hein? J'arrive. Ok. Et... hein? Vous jouissez ici, hein? Oh. Hein, mais nous les méritons. Les tiens, les parents qui ont un enfant à l'étranger, ils doivent se réjouir. Bien sûr. N'est-ce pas? Ils doivent se réjouir. Très bien. Ok. Uche. Papa. Je t'ai appelé ici parce que... ton frère est à l'étranger. Mais il y a cette fille qu'on doit aller voir ses parents pour verser la dot. C'est comme ça que nous procédons ici. Oui, parce qu'on ne peut pas épouser une femme sans pour autant connaître sa famille. Exactement. Oui, parce qu'on doit savoir s'ils ont des fétiches. Est-ce qu'ils ont des voleurs là-bas? Nous devons tout découvrir. La manière dont ils se comportent dans leur famille, nous devons le savoir. Moi et ta mère avons fixé une date. Alors j'aimerais que tu te prépares pour cette date-là. On ira là-bas, tu vas représenter ton frère. C'est ton frère, n'est-ce pas? Bien sûr. Même sang. Ok. On ira là-bas. C'est bon, prépare-toi. Tu dois aider ton père, hein? Comme ton frère n'est pas là, s'il te plaît. C'est ton devoir de représenter ton frère. Hein? Pardon, papa, maman. Est-ce que vous me suppliez d'aller représenter mon frère? Non, rien du tout. On n'est pas en train de te supplier. Oh, même si on te suppliait, c'est ton droit. Pour prendre la place de ton frère, tu dois être d'accord. Parce que chez nous, on dit « Akadi Kwankebe ». Akeba Akaya, on doit te supplier pour ça. Ok, si tu le dis. Ça, ce n'est pas un problème. Hein? Ça, c'est mon devoir. C'est mon devoir. Très bien. Francis est mon frère jumeau et je ferai tout pour lui. Voilà, c'est ça. Donc, cela n'est pas un problème. Okay. J'irai représenter mon frère. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté de représenter ton frère. Prépare-toi, prépare-toi très bien. Laisse-moi te rappeler que... après ton frère, ça sera ton tour. Oh, tu dois donner maintenant, ou il te sera aussi donné. Bien sûr, Anna. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un problème. Ok. Après Francis, je vais le suivre. Très bien. Oh, ça c'est vraiment génial. C'est très génial. Franchement, ça sera une joie très énorme. Ça sera l'un des plus grands mariages de cette communauté. Et où est sa part? Laissez-moi aller chercher ça. Non, maman, je vais aller chercher ça. Ah, ok. Sers-toi toi-même. Sers-toi, hein. Profite-en. Finissons et passons à autre chose. Allons-y. Amaka, Amaka. Ok. Hey. Amaka, mon ami. Dieu merci, tu es venu. Ça fait tellement longtemps. Comment vas-tu? Amaka, regarde comment tu brilles. Ici, les grâces, arrête-moi ça. Dis-moi, tu t'entretiens avec quoi? Comme ça, moi, si je vais utiliser ça. Rien du tout, ma chérie. T'inquiète. Hein? Hey! Ça suffit, arrête-moi ça. Splendide. Ok, Dieu merci, tu es là. Ça fait à présent 3 jours que je fais toujours ces rêves. Ces mêmes rêves. Un rêve? Comment? Oui, ça fait 3 jours, mais ça se répète toujours. C'est quel rêve, ça? Il y a un cas très particulier que je vois souvent dans mes rêves. Tu comprends? Quand il est venu près de moi, il m'a déclaré sa flamme. Il m'a dit qu'il m'aimait et on s'amusait vraiment. On était bien. Est-ce que tu me comprends? Mais le problème est que je n'ai jamais vu le visage de ce garçon. Donc, même s'il venait ici, je ne reconnaîtrais pas son visage. Et ses rêves ne s'arrêtaient pas. Ça ne faisait que se répéter. Alors, ma chérie, aide-moi à comprendre ses rêves parce que là, je suis perdue. Amaka, réveille-toi. Tu fais déjà de la fièvre, hein? Tu aurais dû me signaler comme si j'allais apporter les médicaments. Parce que je vois clairement que tu ne vas pas bien. Est-ce que comment tu peux que avoir je te ce genre de rêve? Je t'en prie, ma belle. Je suis sérieuse. Pose-toi la question. Je suis très sérieuse. Tu comprends? Ce n'est pas le temps de blaguer. Je te parle de ce qui me dérange et tu me dis que j'ai de la fièvre. Mon ami, je te demande parce que peut-être que tu veux commencer cette fièvre depuis hier. Certainement, ça a commencé la nuit dernière et c'est ça le résultat. T'inquiète, je vais t'apporter le médicament la prochaine fois. C'est plutôt toi qui as de la fièvre. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Je vois ton apparence me dit que tu as de la fièvre. C'est pour ça que tu n'entends pas ce que tu racontes et que tu n'as rien à dire. D'ailleurs, tu n'as rien à offrir. Si tu n'étais pas mon ami, j'allais te traiter de vaurien. Malheureusement, t'es mon ami, tu n'es pas Amaka.
Maman. Ah, maman. Bon oui. Après-midi, maman. Bon après-midi. Comment tu vas? Ça va, maman. Et ta famille? Ils vont bien. Tiens, Maka. Maman. Prends cet argent. Quand tu iras accompagner ton ami, n'oublie pas de m'acheter un médicament pour le mal de tête. Maman, tu as mal à la tête? T'inquiète, ça va aller. C'est lié au stress. Oui, maman. Désolée, ça va aller. Ok. Courage, maman. Est-ce ta mère? Désolée. Très bien. Je le dirai à ma mère. Va le dire à ta mère. Papa, Francis, il appelle. C'est vrai? Allô? Écoutons-le. Franco, mon frère. Mon frère. Ça fait longtemps, hein? Comment tu vas? Bien. Comment va l'Afrique du Sud? Ouais, je peux dire que ça va. On se débrouille pas mal, tu vois. Hey! Et juste tes apaisements, mon cher, tu vois. Toi, t'es mon petit et je ferai tout pour que tu me rejoignes ici. Hey, mon frère, j'ai hâte. Vraiment. J'ai hâte de quitter ce village pour aller en Afrique du Sud. Mais comment va le Nigeria? Le Nigeria va bien. Et papa et maman? Ah, ils vont bien. Papa et maman sont à côté ici. En fait, maman pèle l'orange à papa. Ils jouent à l'amour. L'amour sans fin, oh. Ne dis pas que tu es jaloux. En tout cas, je suis très heureux de vous entendre. Oui, frère, il te manque vraiment. Ah, Uche, est-ce que c'est possible que je puisse parler à papa? Ils sont ici. Il faut que je mette ça sur haut-parleur, comme ça vous pouvez bien l'écouter. Mm-hmm. Oh, il souhaite me parler. Ok. Papa? Mon fils en Afrique du Sud, Franco du Franco. Papa? Papa, comment tu vas? Nous allons bien, comment va l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud se porte bien. Bien. Tu n'as même pas à me le dire dans ta voix, je peux le sentir. Ah, papa, j'espère que tu vas bien. Oh, mon fils, je vais bien comme toujours. Je vais bien. J'ai confiance. Je suis là en train de passer du bon temps avec ta mère. Waouh. C'est bien. Papa, comment va maman? J'aimerais lui parler aussi. Ok, parle. Elle t'entend. Je suis là. Oh, Francis, vrai. Mon fils, comment tu vas? Oh, maman de maman. Ma merveilleuse maman. Maman de maman. Mon fils bien-aimé. La meilleure maman. Mon enfant d'amour. Oh oui, mon fils. Ça, c'est mon fils. Maman, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, mon fils? Oh maman, je remercie Dieu. Chai, et comment va l'Afrique du Sud? Oh maman, on se débrouille, on remercie Dieu. Nous bénissons Dieu, je crois que tu vas bien. Oui maman, je vais bien, et vous? Oui, ça va, ton père prend bien soin de moi. Oh, c'est bien. Et ton frère aussi. Oui, non? Bien, en fait, j'aimerais vous dire une chose. Vas-y. J'espère que le téléphone est toujours en main libre. Oui, vas-y. Maman, s'il te plaît, je vais envoyer l'argent à travers Uche. Pour que vous l'utilisiez afin d'épouser une fille pour moi. Maman, vous savez, toutes les filles qui sont ici, je ne peux pas épouser l'une d'entre elles. Hein. Oui. Ça, c'est vraiment mon fils. Très bien. Anya Nounougala. Hein? N'a pas de problème, hein? Ok, maman. Merci. Oh, d'accord. Ok, remettez le téléphone à Uche, j'aimerais lui parler. Ok. Ouais, Franco, mon frère. Oh, petit frère, comment tu vas? Je vais bien. Bien, petit, on fait ceci. On se rappelle plus tard. Hein. Je dois reprendre le travail, tu vois. On se relance plus tard. Ok, quand est-ce que tu vas envoyer l'argent? Ah, ça ne va pas tarder. Ne t'en fais pas. S'il te plaît, c'est important. Il faut que j'aille me préparer. Ok, pas de problème. Ok, je vais aller me préparer. Merci. Maman, bye-bye. Ok, maman. Ok, au revoir. Au quoi à boire là? Je vais aller faire toutes les préparations. Nelia? Oui? Nelia? Viens, abandonne ça. Hey! Oh, papa, qu'est-ce qu'il y a? Que Dieu soit loué. J'espère que tout va bien. Nelia, je dis que Dieu soit loué. Amen. Tu sais quoi? Hey! Finalement, notre fille va épouser quelqu'un qui vit à l'étranger. Hey! S'il te plaît, dis-moi, c'est pas vrai ce que tu dis. Arrête tout ce que tu es en train de faire et suis-moi à la maison parce que tel que je te dis, la belle famille viendra nous rendre visite la semaine prochaine. Hey! Je viens de te dire que la belle famille viendra pour le mariage traditionnel la semaine prochaine. Notre belle famille viendra. Vérifie si papa va bien. Hey! Mais papa, comment peux-tu dire ce genre de choses? Quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais croisé, tu me dis que je vais me marier la semaine prochaine?
Naïchandré, calme-toi. Calme-toi et sors calmement. Arrêtez d'abord ce que vous faites, ok? Rentrons à la maison. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Je viens de vous dire que ma fille va épouser un homme qui vit à l'étranger la semaine prochaine. Maman, je crois qu'il devient de plus en plus sérieux. Bon, allons-y d'abord, ma fille. Maman, viens, bon, on y va. Allons-y. Laisse-moi. Maman, allons avec lui qui nous explique. Je dois aller prendre un homme qui vit à l'étranger va épouser notre fille. Hey, tu as déjà vu les dollars? Tiens, allons-y, s'il vous plaît. Papa, dis-moi que tu plaisantes. Mon amour. Chérie. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Quand je te regarde droit dans les yeux, mon cœur se remplit de joie. Tu es tout ce dont j'ai besoin chez une femme. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, bébé. Que cet amour ne s'envole pas. Je vais chanter pour toi. Vraiment? Oui. Ok. Ne fais pas attention à ma voix. T'inquiète. Tisom afolo binanya monagi debi. Tisom afolo binanya monagi debi. Onyomamo afolo binanya monagi dembio. Oh ma folo binanya monagi dembi. Oh bi. Afologinanya monabigeti. Tisom afologinanya monagigebi. Ukwamo afologinanya monagigebio. Tisom afologinanya monagigebi. Obimo afologinanya monagigebi. Tisom bialusisegwamo. Où vas-tu? Gessi, où vas-tu? Pourquoi veux-tu que j'arrête? Juste parce que tu n'arrives pas à m'attraper? Non. Je n'ai pas encore fini de chanter. Quoi? Tu ne veux plus m'embrasser? Allez, viens, non? Obimo, afuruginanya munagigebi, ukwamo. Bébé, viens, non? Afuruginanya munagigebi. Bébé, viens, viens, s'il te plaît. Non? Tu ne vas pas m'attraper. Hein? Ne me fuis pas. Oh. Mon amour, donc tu peux chanter oui. Comme ça pour moi? Je t'aime aussi. C'est vrai? Abimo. Afronginanya munagigebi. Tisom afronginanya munagigebi. Utwamo afologinanya munagigebi. Obimo afronginanya munagigebi. Egumo afologinanya munagigebi. Tisom afronginanya munagigebi. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi, mon amour. Oh, oh. Je souhaite que cela continue jusqu'à la fin c'est des vrai. Temps. Je t'aime je beaucoup. T'aime. Aucune femme ne prendra ta oh, place dans bébé. Mon cœur. Je te le promets. Hé, Uchi. Ah, mais comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Je vais bien aussi, hein. Où vas-tu? Mais je vais chez vous. Je vais aller voir ton père et ta mère. Et moi, je partais chez vous pour rendre visite à papa et à maman. Ah. Oui. C'est vraiment une coïncidence. Écoute, je sais ce qu'on va faire. On ira d'abord chez vous et ensuite, on va aller chez nous. Je ne sais pas de quoi tu parles. Va voir mon père. Cependant, j'irai voir ton père. Ok. On est fait comme ça, alors. Prends soin de toi également. Au revoir. La femme de mon Allez, frère. Allez, et commence pas avec ça. À plus, hein. À plus. Hey. Si les gens sont tout le temps en train de consommer les arachides et les garis, c'est à cause de la pauvreté. Gari, arachide, gari, hi. Je veux le faire. Oui, on va le faire. Oui, je veux faire ça. On les consomme partout. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui peut s'acheter les riz. Et aussi les haricots. Et toutes les autres nourritures là... Et c'est moins cher. Oui, moins cher. Regarde ça par exemple. C'est très moins cher. Avec un petit rien, on peut le faire. Ah. Oui, on va le vendre. C'est quand même bien. On peut le faire. Oui, oh.
C'est tellement bon. Hé hey! Amaka. Maman. Papa. Hein? Bonjour. Mm-hmm. Maman. Comment tu vas? Qui sommes-nous en train de voir? Merci. Qui sommes-nous en train de voir? Ha! Sois bienvenue, la bienvenue, ma fille. Merci. Bienvenue. Bienvenue. Prends la chaise là-bas. Viens te mettre ici. Tu peux la mettre là-bas. Là-bas. Oh. Je te vois en forme, hein. Ah. Dis-moi, maman. Ça va? Maman, comment vous allez? Ça va, oh. Ça va. Et toi? Je veux bien, mais vous, je n'ai pas besoin de vous demander. Ça t'a parlé que vous allez bien. Merci. Ah oui. Tu ne connais pas les vertus des arachides? Non. Tu connais toutes ces vertus? Si tu prends les arachides, tu auras l'air merveilleux, beau. Oui, voilà pourquoi nous avons l'air si jeune. On retrouve toute notre beauté à cause de ça. Papa, hein? Par ce que tu diras, je n'aime pas ça. Ok, je vais manger les miens, tu mangeras les tiens. Hein, t'inquiète, c'est une fille. Mais c'est bon, hein, c'est bon. Non. Tu aimes bien ça. Alors Amaka, monsieur, tu es venu au bon moment. Je ne sais pas si tu sais que la semaine prochaine, nous planifions venir chez vous rencontrer tes parents pour matérialiser la relation qui existe entre toi et notre fils qui est en Afrique du Sud. Je suis au courant de ça, papa, mais le fait est que la personne avec laquelle je suis sur le point de me marier, je ne la connais même pas. Écoute, t'inquiète même pas. À propos de la personne avec qui tu t'es marié, notre fils Francis, c'est un bon garçon. Crois-moi, tu vas l'aimer quand tu le verras. Il est très gentil et très beau. Et même au-delà de tout ça, je pense que tu connais cette sauce qu'on appelle sauce pimentée. C'est vrai, on appelle ça sauce pimentée. Mais lorsqu'on les prépare, on les prépare très bien. On met tous les ingrédients nécessaires. Tu ne vas même plus sentir ces piments-là. C'est de cette façon qu'on a élevé notre fils qui sera ton mari. Ok. Sauce pimentée. Je vois que je n'ai pas besoin de m'inquiéter à propos. Tu ne dois pas craindre tous ces problèmes-là qu'il y a dans le mariage. Mais il y a une seule chose qui me dérange. Peut-être que tu seras choqué pour supporter la quantité de l'amour qu'il te donnera. Son amour est total. En excès. Il est en excès. Son amour est grand comme la terre. Lorsqu'il t'aime, tu dois être fort. Il aime de toutes ses forces. Sauras-tu supporter ce qu'il va commencer à te donner chaque Mario. Nuit? Ok, c'est bon. Mais je lui dis la vérité. Je lui dis comment ça se passe. Tu non, fais, il ne doit non? pas avoir peur. Sais-tu ce que sera ma mission lorsque vous deux vous allez vous marier? Hein? À chaque fois que je serai de retour au travail, j'irai près de la fenêtre de la chambre où vous deux serez en train de dormir pour écouter. J'espère que je vais entendre des cris du genre « Oh, oh, ton bambo !»« Hey, 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 oh !»« Ah, kounyami !»« Oh, nyanemo !» Qui? Mon père. Toi, mon père était là pendant un expert. Moments. Un expert. Il a reçu une récompense, non? Mon père. Il a été couronné pour ça. Mon père. Il a écouté vous faisiez ça. Oui, il nous écoutait. Ton père t'a entendu aussi faire ça. Papa, je suis venue voir comment vous allez. Et à présent, je crois que je vais partir. Merci. Au revoir. Merci. Oh, qu'est-ce que je vois? Tu vas? Je veux bien et toi? Oui, ça va. Je peux voir que tu t'es rappelé des noms aujourd'hui. Ah, ce n'est plus mon village. Je sais, mais c'est juste que les filles de la ville ne viennent plus au village. Mais je devais revenir pour voir ma famille, ça fait très longtemps. Mais où vas-tu? Je partage tes un truc juste là-bas. Ok. Mais pourquoi tu es comme ça? On dirait qu'il y a un ça ne va pas. Tu as l'air inquiet. C'est une très longue histoire. Je vais t'en parler. Je viendrai chez toi, t'inquiète. Ok, t'inquiète. Laisse-moi arriver à la maison et déposer mes histoires. Je viendrai moi-même te voir, mon ami. Ok. Oh, ça fait tellement longtemps. Cindy. Ok. À tantôt, j'arrive. Cindy, mon ami. Je viendrai chez toi.
Je viendrai chez toi. Attends-moi. À plus tard. Ugona. Oui, maman. Ugona. Oui, maman. Va m'acheter. Va m'acheter du sel. Hey. Hey, grande sœur. J'ai tout pas vu venir. Hey. Maman, ma fille, ma soeur. Oh. Hey, comment tu vas? Ma chérie, ça je va bien. Regarde-toi. Bienvenue. Maman. Hey, ma fille. Comment tu vas? Ça va. Oh, vraiment, grande sœur, j'espère que tu m'as apporté quelque chose. Hein. Tu as grandi. Mais pourquoi tu as mis maman, j'ai vu Amaka. J'ai beaucoup de histoires à te raconter. T'es sérieuse? Hey. Oh, vas-y alors, raconte. Grande sœur, j'espère que tu m'as acheté quelque chose. Hein. Dieu merci, ma fille est là. Je ne te crois pas. Écoute, tu dois enlever tout ce qui traîne là-bas. Par exemple, ça, ça, tous ces fonds enlevés. Désolée. On n'a pas besoin de tout ça, donc il faut mais que ça maman, parte. Dis-moi, pourquoi es-tu venue en retard aujourd'hui? Désolée, maman, je n'avais pas fait attention. Désolée. Ok, pas de problème. C'est pas un problème. Allez, fais-les calmement, ok? Fais-les tranquillement. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Ces herbes me fatiguent. Ces herbes ne font que pousser tout le jour, comme si on ne les arrache pas. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je n'ai plus la force de travailler comme quand j'étais jeune. Ma belle. Hey. Tu coupes les herbes. Ah, ma sœur, juste regarde autour de toi comment les herbes ont poussé. Peux-tu imaginer que ça ne fait même pas un mois que j'avais payé quelqu'un pour qu'il vienne les enlever? À présent, regarde. Es-tu sérieuse? Regarde comment il y a plein d'herbes. Hey. Et si tu ne luttes pas avec ça, tu n'auras pas un bon récolte, ça va tout. Tu ne verras rien du tout, vraiment. Toi-même, tu as le temps, oh. Moi, là, je ne trouve même pas le temps d'entretenir mon sang. Si tu voyais comment les herbes ont rempli mon sang, hein. Ma sœur, ça a poussé comme ça. Tu as intérêt à faire vite. Ah, je vais essayer. Tu dois réagir vite, sinon, tu n'auras rien. Tu vas tout perdre. Et ces herbes vont envahir tout ton champ. Oui, tu as raison, tu je as raison. Je t'ai dit la vérité. Tu ferais mieux de trouver les temps pour les enlever. Ou soit tu payes les gens pour qu'ils les fassent. C'est ce que je vais faire. Je vais payer les gens. Telle que ma fille s'y présente, elle le fait bien. Tu peux la prendre. Je vois. Tu fais du bon boulot, ma chérie. Et en du plus, bon une boulot, bosseuse. Vraiment. Dis-moi d'abord, comment tu prépares le mariage de nos enfants qui est en train de venir? Moi, mon fils a déjà tout envoyé. Oh. Nous sommes prêts. Ton fils a déjà tout envoyé. Et ton fils est mon beau-fils. Et tu es là en train de me demander comment je me prépare. Mais je me suis déjà préparée. Je me suis déjà prêtée. Tu peux le dire encore. Oh. Tu sais, Nem, je suis vraiment contente. Parce que ma fille est sur le point de se marier à un riche garçon de ce village. Je suis très contente pour ça. Je remercie Dieu. Moi aussi, je bénis Dieu. Oui. Hein? Parce que mon fils épouse ta fille. Hey. Ça sera une belle famille intéressante. Que Dieu soit loué. Oh. Je bénis Dieu aussi. Oh. Hey. Dieu est merveilleux. Mon ami, je veux d'abord arriver quelque part ici. Ok. Je suis prête. Toi, je suis déjà préparée pour soeur. Ça. Ça sera très bien. Oh. Hey. Dieu, je te remercie. Oh. Ha! Ma fille va se marier à un riche dans ce village. Hey, qui pouvait s'imaginer? Hey, ma fille, tu dois être là le jour du mariage. Oui, je dois être là. Tu ne peux pas rater ça, ok? Je serai là. Tu dois être là. Je viendrai pour t'aider à faire des petits travaux. Hey, je serai là. Hey. Oh, Getchuku, tu es tellement splendide. Je vois, laisse-moi te dire, dans ce village, tu es la plus jolie. Je peux voir. Hey, gloire à Dieu. C'est Dieu. Allez, dis-moi, qui est cet homme que tu vois qui te fait du bien comme ça? Voir qui? Je vois personne, non? Tu ne sais pas que tous les gars de ce village, Jeanne ou tonton, ont voyagé? Je ne vois personne. Même si j'étais là, est-ce que même tu allais accepter? Je te connais bien. Heureusement que tu me connais. Alors dis-moi, comment toi? Oui, ça va, sans te mentir. Ça se voit, ça oh. Comment tu es? Je sais. Tu brilles comme ça. Hé, mon ami. Hein? Connecte-moi aussi, hein, à la cité. Ok. Tu vois, hein, pour le travail,
Il n'y a pas de problème. Le business, je peux aider. Mais pour les hommes, là vraiment, je n'ai pas de puissance. Je ne saurais pas. Ce n'est pas possible. Hey, c'est mis d'ailleurs, pour les hommes là, moi je ne suis même pas intéressée. Tu me connais bien, j'ai juste besoin des connexions. Hein? Au moins, peut-être que je vais trouver un bon boulot. Hein? Excuse-moi, s'il te plaît. Ami, moi. Comment tu vas? Je suis avec Ogo, chez Madame Tinka. Comme? Oui. Ok. Tu peux venir. C'est bon, dans ce cas, j'arrive. Ok, ami, bébé. C'est Amaka. Tu es déjà de retour. C'est comme je disais, mon ami. Tu peux juste m'aider à trouver un petit rien. Pour le business, ok, le job, ok, les hommes. Hey, je te fais confiance. Mon ami, je te fais confiance. Au moins, je vais aller à la cité avec toi. Pourquoi tu évites les hommes? Okay. Hein? Toi, toujours qu'est-ce comme qu'ils me donneront? Rien du tout. Et s'ils te donnaient l'argent? Regarde celle-là. Hey. Ami. Okay. Hey, Amaka. Sidi, comment vous allez? Oui, ça va, ça évolue. Nous profitons de la vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît. Je crois que je vais revenir un moment. Quelqu'un me cherche maintenant. J'espère que ce n'est pas parce que tu m'as vu. Oh non, pourquoi? Okay. Prends juste place. Attends-moi. J'arrive. Es-tu sûre? Oui, j'arrive. Très bien. Ami, dis-moi comment ça évolue chez toi? Dieu fait grâce, mais tel que je te vois, je n'ai pas besoin de te demander comment tu vas, parce que ça se voit que tu vas. Oui, ça va. Ça se voit, ma chérie. Tu n'as pas peur. Tu peux le dire encore. Même toi aussi, tu brilles, hein? Ça va. Comment chez toi? Ça va? Ça va. Et la vie en ville? Oui, je peux te dire que tout va bien. Donc ça va, quoi. T'as pas besoin d'en dire plus parce que ça se voit. Cindy, la fois passée quand on s'était croisé, je t'avais dit que je viendrais te voir et je n'avais pas eu le temps. Voilà pourquoi je suis venue aujourd'hui. Oui, j'attendais que tu viennes. Tu sais, il n'y a rien de grave. C'est juste que... tu sais, non, je vais me marier. Hé, hey, tu t'es mariée? Oui. Tu t'es mariée? Hé, hey, Tami. Ami, une bonne nouvelle. Le fait est que... C'est une très bonne nouvelle. Ici. Il est à l'étranger. Il vit à l'étranger. Ami, toi, un mari américain dans ce village. Oui. C'est vrai, ça. Mon ami, je te jure que le village sera en feu. Oh. Ces jours-là, hein, je vais venir, je vais danser. Je vais danser, je vais danser, je vais danser. Non. Ça sera terrible. Non. Je ne veux pas que tu danses, tu risques de me ravir mon mari. Oh non, je ne ferai pas ça. Toi, tu es ma soeur, non hein? Barman, une autre bouteille de Guinness pour mon ami Ami. Hey. Qui se marie. Mon ami, toi, ça sera terrible ce jour-là. C'est pas vrai, arrête. N'oublie pas mon invitation. Merci. S'il te plaît, barman, apporte-moi le verre parce que celle-ci, c'est une autre personne qui l'a utilisée. T'as à l'étape pas changé, là. Toi. Toi, hein. Oh, arrête ça. Ça sera chaud, je t'assure. Dis-moi, qui s'occupe de ça là-bas en ville? Raconte. Mon ami, content de te voir. Ah, ah, qu'est-ce que c'est bon. Ça, c'est très bon. Ah, cette farine est cool. C'est très bien. Encore plus. C'est vraiment bien. Mon boss. Dude, comment vas-tu? Ça va. Cette marchandise est formidable. Ça a l'air d'être la meilleure. Ça réveille tous les nerfs. Je peux le voir. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Trop bien. Alors. Ah. Le colis a été livré. Oh.
Tu peux le confirmer auprès de tes hommes. J'ai besoin de confirmer ce que tu m'as apporté. Ça c'est bien, ça c'est bien. Et j'espère que tout est comme ça. Ton argent. J'espère que c'est complet. Mais non, tu veux confirmer pour toi, parce que j'ai confirmé ta part. Donc tu ne me fais pas confiance. Non, je te fais confiance. Dude, tu ne me fais pas confiance. Merci. C'est un plaisir de travailler avec toi, boss. Je t'en prie. De partir avec l'argent. Donc, prenez soin de lui. Prenez soin de lui immédiatement. Bien. Ah, ça, c'est du vrai. C'est fantastique. Voici un bon produit. Soyez la bienvenue au Nigeria, madame. Oh, comment vas-tu, jeune homme? Je vais bien, merci, madame. Merci. C'est gentil. La connexion Internet pose toujours problème à Nigeria. Désolée, madame, pour ça. Allô? Allô? Est-ce que tu m'entends? Oui. Bonjour, comment vas-tu? Ah, je viens d'arriver à Nigeria il y a quelques minutes. Oui. Quoi? Quoi? Mon mari? Hein? Oh, non, non, je te crois pas. Je ne te crois pas. Ah, ah. Oui, c'est mon droit. Je peux coucher avec n'importe quel homme. D'ailleurs, et tous si j'en veux. Et personne ne peut me faire quoi que ce soit. Même pas mon soi-disant mari. Quoi? Attends. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Il ne me fera rien. Il ne peut rien me faire. Tu sais combien je le déteste. Si jamais je le vois, si jamais mes yeux le voient avec n'importe quelle femme, je vais le tuer. Je lui ferai la peau. Quoi? Je déteste cet homme. D'ailleurs, j'ai vraiment honte de l'appeler mon mari. Hein? Ok, ma chérie, t'inquiète pas, t'inquiète. Dès que j'arrive à ma destination, je t'appelle. Je te ferai un coup de fil. Ça va? Ok, bye. Prends soin de toi. Quoi? Un homme stupide. S'il savait combien je l'ai haïssé, il n'allait même pas m'appeler sa femme. N'importe quoi. Bêtise. Chuta, tu as échoué. Chuta, tu as encore échoué. Boss, je suis désolé. Comment oses-tu? Comment oses-tu prononcer cette phrase? Tu es désolé. Tu as foiré avec un deal $2,500,000. Et tu te pointes devant moi en me disant que tu es désolé. Es-tu normal? As-tu perdu ta tête? En réalité, boss, nous avions suivi les plans à la lettre. Nous avions suivi cette voiture. Mais soudainement, tous nos plans ont été foutus. Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu entends la merde qui sort de ta bouche?
Chef, nous sommes désolés. Un mot de plus de vous. De vous deux. Je vais vous tuer vivant. Et je vais me débarrasser de votre chair. Ce n'est ni une menace ou une promesse. Mais je vais réussir ça. Boss, nous sommes profondément désolés. Voilà, c'est repartir. Voilà, c'est repartir parce que vous êtes des imbéciles. Dans ce game, on ne dit pas je suis désolé. Si tu veux dire désolé, dis ça pour toi-même. Désolé pour toi-même et non pour moi. Et non pour moi. Ça ne marche pas comme vous le pensez. J'apprête déjà les histoires, hein? Bien fait, bien fait, bien fait. Maman? Maman? Maman, Uche, bonjour. Tu te réveilles tout joyeux comme ça. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Papa, bonjour. Ami, hein? Comment ça va? Ça va bien. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Qu'est-ce que c'est? Papa, je voulais vous dire que je dois aller en ville rendre visite à ma soeur. Il y a longtemps que je l'ai vue. Alors, je comptais y aller demain. Ok, ok, je pense qu'il n'y a pas de problème. Pas du tout, monsieur. Ok. Il n'y a pas de problème. En fait, tu es libre. Tu n'as même pas à obtenir notre permission pour aller où tu veux. C'est juste que vous avez déjà donné la dot, vous m'avez déjà marié, donc je ne dépends plus de mes parents. Ok, ok. Il n'y a pas de problème, hein? Mais tu sais que si tu quittes cette maison maintenant, oh, hein, nous allons manquer tes délices africaines. Hein? Il a raison, il a raison. Hein? Tu vas nous manquer, tu vas vraiment nous manquer. Hein? Tu Ma prière est que tu ne restes pas longtemps là-bas. Non, je ne vais pas être longue, juste vas nous une manquer, semaine. Amaka, il n'y a pas de problème, mais ne traîne pas, prends juste une semaine. Prends juste une semaine, non? Ne traîne pas, tu sais bien que ton mari est en train de venir. Je ne suis pas prête à répondre aux questions. Pardon. Maman, c'est juste une semaine. Si quand, tu ajoutes une semaine là-bas, je ferai appel à Barreau pour te ramener ici. Oui, Barreau. Une moto ne saura pas te conduire. Il faut Barreau. Pour la ramener ici, hein. Ne vous inquiétez pas, juste une semaine. Ok, une semaine. Pas de problème. Je voulais vous remercier. Vous êtes gentil. Votre famille est vraiment géniale. Je n'ai jamais croisé de telles familles. Vous me traitez comme si j'étais votre fille. Mmh. Vous me traitez comme mes propres parents. Je ne sais comment vous remercier. Amaka, tu n'as pas besoin de dire tout ça. Je prie pour que cet amour soit éternel. Amen. Au nom de Jésus. Merci. Tu restes une fille pour nous. Tu es notre fille maintenant, hein? Tu fais partie de cette famille. Okay? Merci, maman. Des bonnes choses. Des bonnes choses. Donc, demain, je t'accompagnerai à la gare, d'accord? Merci. Okay. Donc, merci, maman, papa. Il faut que j'aille là où tu m'as envoyé, non? Ute, tu n'es pas encore parti. Maman, je n'ai pas encore parti. Vas-y, non. C'est un paresseux, celui-ci. Un vrai paresseux. Papa, je ne suis pas paresseux. C'est que je veux juste... Prépare-toi, lorsque mon fils sera de retour, tu vas lui donner Omaniara Omele. Non. Papa, mon fils se comporte comme moi. Laisse-lui d'abord finir il de baler, non? Il t'attrapera ici. Il te tiendra ici. Et même ici, papa. Tu dois être forte, oh. Prépare-toi très bien. Si tu ne donnes pas bien, je serai à la fenêtre, je vais tout entendre. Comme ça, on va préparer le petit déjeuner. Okay. Hein? Est-ce que ça pèse? Ah, ok. Très bien. Ma fille, maman, je veux que tu te maries et que tu me donnes des petits enfants. Maman, écoute, je vais me marier. Ce n'est pas mon objectif pour l'instant.
Maman, regarde-toi, je dois travailler pour prendre soin de toi et de Ogona. Laisse-moi au moins me rassurer qu'il a au moins son diplôme d'État et puis on va passer à autre chose. Regarde la maison de notre père, si moi je ne réfléchis pas ça, qui va le faire, hein? Ma fille, je sais tout ça, mais j'ai besoin de petits-enfants. Tu sais que je suis encore forte. Je saurais prendre soin d'eux. Je sais, c'est juste parce que tous tes amis ont voyagé et sont partis à Omogo. C'est pourquoi tu es en train de faire ça. Ça ira, je sais. Laisse-moi d'abord prendre soin de Ogona, qu'il arrive à un certain niveau, qu'il grandisse encore un peu. Comme ça, je peux vous laisser. Réflexionnez aussi cette maison. Si je me marie maintenant, ça sera difficile de le faire. Grande sœur, je vais te suivre à la cité. Est-ce que tu peux la fermer? Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Dis-moi, comment ça se passe avec maman et Ogona là-bas au village? Ils vont très bien. Mais maman me donne des maux de tête, je te dis. Maman te donne des maux de tête. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, elle veut que je me marie. J'ai mal fait de répondre à ta question. Désolée, mon ami, s'il te plaît. Je vais encore parler. Je me marre juste du fait qu'on t'a demandé de te marier et rien d'autre. Dis-moi, tu ne vas pas te marier? Allez, c'est bon. Je viens de dire que je suis désolée. Pour une si petite chose et tu te fâches. Pourquoi ne pas me fâcher pendant que vous me posez des questions inutiles? Ok, je suis désolée. Désolée. Mais attends, j'espère que tu ne fais pas cette tête, cette mine affreuse, pour ne pas me raconter tout ce qui s'est passé là-bas au village. Comme quoi, je ne te fiche pas. Les détails, bien sûr. Ma chérie, s'il te plaît, oublions ce qui vient de se passer. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Quelque chose s'est passé ici après moi ou quoi? Dis-moi d'abord. Ok, donc tu veux qu'on change de sujet? Parce que ce que je t'ai dit n'est pas important. Bien sûr, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, comme tu veux. J'ai une nouvelle. C'est quoi? Ton petit ami était venu à ton absence. Il est encore venu faire quoi ici? Hein? C'est une bonne chose que tu sois venu. Ok. Il a dit qu'il essaie de t'appeler et tu ne décrochais pas. Et il est aussi passé au bureau et tu n'étais pas là. Alors je lui ai dit que tu avais voyagé. Ok, c'est bien. Demain, il vient de trouver son père et sa mère ici. Dis-moi, pourquoi t'es comme ça? Hein? Pourquoi ton cœur est dur? Pourquoi refuses-tu de pardonner à cet homme? Il s'efforce. Pardonne-lui et avance. Pardonner qui? Ken. Ken. Ken? Oui. Auntie, je vois que tu n'as rien d'intéressant de me raconter. Hein? Pardon, laisse-moi dormir. Cindy, tu me tournes les dos? Pardon, laisse-moi, tu n'as rien d'intéressant. Ok, c'est bon, pas de problème. J'ai une nouvelle pour toi. Une autre nouvelle. C'est quoi? Tu vois le projet qu'on avait soumis à cette autre entreprise? Oui. Ça a été approuvé. Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Et c'est sérieux? Pourquoi mon Dieu! Quand je t'ai parlé, c'est pour que ton sang s'était fâché d'uriner le front. À présent, tu commences à rire. S'il te plaît, arrête de crier comme une folle. Tes cris dérangent les voisins. Ma chère. Arrête-moi ça. Es-tu sérieuse? Je ne m'attendais pas à ça. Oh mon Dieu. Je ne m'attendais pas. Oh. Hé, mon Dieu. Ça s'appelle encore comment? Bon, je dis, oh mon Dieu. Je n'ai plus sommeil. Oh mon Vraiment? Dieu. Qu'est-ce que je peux te donner? C'est vrai. Merci, merci. Alors, merci, je crois que je dois dormir. Dieu. Allô? Tontine? Tu n'es plus venue, pourquoi? Non, Tontine, tu avais éteint ton téléphone. J'avais essayé de t'appeler à plusieurs reprises, mais ton téléphone ne passait pas. Désolée pour ça, ok? Ok, pas de... L'adresse que je t'ai donnée. Je l'ai perdue, Tontine. Je ne le retrouve pas. C'est bon, Tontine. Je suis désolée, ma chérie. Moi, je crois que tu allais me localiser facilement avec l'adresse que je t'ai donnée. Tontine, je ne sais vraiment comment remercier ces chauffeurs de taxi,
ni t'étais lui. Je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. S'il n'était pas passé par là où j'étais, je ne sais qui allait m'aider. Ah, heureusement que le chauffeur de taxi était un bon samaritain pour toi. Gloire à Dieu. Parce que je t'ai dit franchement, je ne sais pas ce que j'allais faire. Oh, est-ce que mon oncle est là? Oh, ton oncle, j'ai oublié de te dire, il est allé à Abuja. Hey. Il avait dit qu'il va revenir dans une ou deux semaines. Eh, ma chérie, est-ce que, avant tout, tu peux aller à la cuisine nous faire une bonne soupe? Comme ça, avant notre sortie, la nourriture sera déjà prête. Ok, je crois que c'est une bonne idée. Okay. Bienvenue, ma chérie. Merci. Il faut trouver des ignames pour préparer cette légume. Mmh. Hein? Hey, hey. N'oublie pas de mettre le poisson. Veux-tu que je le prépare maintenant? Tu me demandes ça? Dis-moi juste de commencer d'abord avec ça. Tu sais que j'aime beaucoup manger ça, non? Hein? Ces feuilles sont vraiment fraîches. Oui. Avec ça, je vais très bien bon manger. Hé, hey, papa! Hein? Maman, mon frère est de retour. Hé! Mon frère est de retour. Francis, mon fils est de retour. Qui est de retour? Il est de retour. Mon fils est de retour. Oui. Ça, c'est incroyable. Hey, Francis, mon frère fils est de retour. Hein? Est de retour. Hey! On est quand même là, hein? Mm-hmm. Hey! 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 Vous savez, hey! Il m'a appelé et il m'a demandé de venir en ville okay. pour l'aider à prendre certaines choses. Peut-être il est rentré avec assez de colis et il ne peut pas prendre tout seul. Donc, mon fils n'arrive plus à porter ses bagages tout seul. Oui. Hein? Hey! Franchement, ça c'est une très bonne chose. Dis-moi, selon toi, il est à la cité? Mm-hmm. Sa femme vient de partir à la cité aussi. Mm-hmm. Ils vont se rencontrer là-bas. C'est une bonne chose, non? Oui, ça c'est vrai. On devait avoir son numéro, non? Non, 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 t'inquiète non. Pas. Tu ne connais j'ai son pas avec l'esprit moi. Du mariage. Je vais te dire. Il va se déplacer sans savoir ce qui le contrôle. Jusqu'à rencontrer sa femme. Et ils vont directement se connecter. Voilà. Comment tu vois ça, non? Ils vont se si voir. Si c'est possible. Quand je serai en ville. Non, arrange ça. Je le ferai. Arrange ça. Je le ferai. Hey. L'homme est à la cité, la femme est à la cité. Qu'est-ce que nous attendons? Ça, c'est incroyable. Hey. Ah okay, vas-y, vas-y, va t'habiller. Vas-y, je vais t'apprêter. Ça, c'est vraiment incroyable. Hein? Mon fils est de retour. Quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Hey. Depuis des années. Mon Dieu. Merci beaucoup, mon Dieu. Il est là, il est là, oh, il est là, oh, caca, il est là, il est là, il est là, oh, yama, il est là, il est là, oh, il est là, oh, caca, oh, il est là, il est là. Oh, Bim, mon amour. Oui, bébé. Tu sais quoi? Mm-hmm. Mon frère Francis est de retour. Es-tu sérieux? C'est pourquoi je t'ai dit de venir, non? Oh, mon Dieu! Je suis très ravie d'entendre ça. Je suis sûre que tes parents seront contents de les voir. Toute la maison est en feu depuis le matin. Il est déjà informé ses frères Ichi que mon frère est de retour. Qui c'est ton père? Je ton t'ai père dit. Est très comique. Écoute, mon frère m'a appelé. Ok. Hein, et il m'a demandé de venir en ville. Afin de l'aider à prendre certains colis. Tu connais ces gens qui reviennent de l'étranger, non? Hein? Ils rentrent toujours avec assez de colis. Peut-être mon frère ne peut pas prendre lui seul tous ces colis. Hein? Donc, il me demande de venir. Tu veux que je me réjouisse? Donc, tu veux me laisser pour aller à la cité, hein? Pendant qu'on y est, dis-moi que tu vas revenir avec une autre. Vas-y, dis-le-moi. Tu veux me laisser pour le fille de la ville? Mais dis donc, mon amour. Arrête, arrête. Ok. Ce n'est pas ce que tu penses, hein? Ok, laisse-moi te dire. Écoute bien ton cœur. Hein? Écoute bien ton cœur. Ne sais-tu pas que tu es mon seul amour? Et tu sais que je t'aime beaucoup. Hein? Il n'y a aucune femme dans ce village, même en ville, qui peut prendre ta place. Non, hein? Tu cherches à me faire un lavage de cerveau. Arrête ça, je te connais. Tu cherches à me convaincre. Non, non, ce n'est pas que je cherche à te convaincre. Je te dis la vérité. Okay. Écoute, mon amour. Je vais y aller juste pour deux jours ou trois jours. Hmm? Je vais rentrer. Ah, pourquoi deux ou trois jours? Que vas-tu faire là-bas pendant deux ou trois jours? Tu c'est sais, ce que je disais. Tu planifies de me laisser t'enfuir. M'enfuir, est-ce que je vais quitter le continent? Je vais en ville, non, juste pour deux ou trois jours. Tu sais, toi-même, tu connais les gens qui reviennent de l'étranger. Ils doivent faire ça et ça de gauche à droite avant qu'on ne rentre au village. Hein? Ne t'inquiète pas, non. Dans deux ou trois jours, je serai ici avec toi. Hmm? Mon c'est tonton. Bon. Pas de problème.
Je te crois. Hey. Mais quand tu seras là-bas, s'il te plaît, ne regarde pas d'autres filles, s'il te plaît. Je suis là pour toi, je t'attends, ok? Hey, tu vas me manquer. Promets-le-moi. Je te le promets. Oh, oh bébé. Je t'aime aussi, hein? Mon bébé. Écoute, écoute, je serai de retour. Hein? Ok. Quand je serai de retour, peut-être j'irai voir tes parents. Dis-le encore. Oui, non, mon frère est de retour. Oh, mon et amour, tu sais qu'on aura génial. De l'argent. Oh, mon amour. Mon bébé, mon bébé. Je suis vraiment impatiente d'être avec toi. Et j'ai hâte d'être avec toi, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas que c'est Francis? Il ne répond pas à mes appels. Comment ça? Je ne sais pas. Je l'appelle, mais il ne répond pas. C'est pourquoi tu es devenue inquiète comme ça? Peut-être que son numéro ne passe pas. Est-ce que tu as essayé avec le numéro de son frère, Uche? Ok, c'est une idée que j'essaie d'abord de l'appeler. Essaie avec son numéro. Peut-être qu'il y a un problème. On ne sait jamais, ok? Cindy, ça veut dire quoi ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi tu me demandes ça? Cindy, je sais très bien que tu sais de quoi je parle. Cindy, pourquoi tu refuses de donner la chance à ces garçons? Je ne suis pas intéressée. C'est aussi difficile à comprendre ça. Dis-moi exactement. Ce qui ne t'intéresse pas chez lui. Donne à ces pauvres garçons une chance. Écoute, j'espère que tu sais que ces jours-ci l'amour, le vrai amour, est difficile à trouver. Tu as trouvé facilement quelqu'un qui t'aime et tu fais tout pour le faire fuir? Si jamais tu perds ces garçons, crois-moi, tu vas les regretter. Et rappelle-toi que Adanyo sera là. Alors tu ferais mieux de t'élever maintenant et aller très vite voir ces garçons. Va faire la paix avec lui pour l'amour du ciel. Je vais aller nulle part. Mais Cindy, pourquoi tu restes assise? Je ne c'est vais quoi ton pas. Problème? Cindy! Ok, c'est bon. Reste dans la chambre. Ne bouge pas. Je m'en vais les voir. Espèce de folle. Oh, Kandu, mon gars. J'ai obtenu exactement ce que tu voulais. Un terrain de 100 sur 50. Ça, c'est une bonne nouvelle, Okandu, mon gars. Boire et profite-toi bien. C'est une bonne nouvelle. Mais il y a un problème. Problème? Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a pas de route pour y accéder. L'homme dont le terrain peut nous servir d'une route d'accès refuse de vendre ses terrains. Quel est son nom? C'est qui la personne? Amadé, le meilleur ami de mon père. Amadé, oui. Tu lui as dit que c'est moi qui t'ai envoyé. Je lui ai tout dit. J'ai même essayé de le convaincre, mais il a refusé. Il a refusé? Imaginez. Mais pourquoi il se comporte comme ça? Hein? Pourquoi il veut me forcer à lui jouer un mauvais coup? Pourquoi? Ok, tu sais ce qui va se passer? Parce que je n'aime pas trop faire du mal aux gens. Dis-lui que je vais lui donner de l'argent. 3 fois le prix du terrain. Ok? Je vais lui donner. Même s'il veut que je lui donne du terrain n'importe où il veut, je peux lui donner. Je peux lui acheter 2 ou 3 parcelles de terrain. Ok? Je vais le lui dire. Dis-lui ça. C'est très important, hein? Uchenna, c'est ça l'histoire. C'est la vraie histoire. La vie n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été facile du tout. J'ai été refoulé. Le peu d'argent que j'avais dans mon compte local, c'est ce que j'avais utilisé pour me trouver un taxi
et louer cet appart. Que faire d'autre si ce n'est que continuer à se battre? Francis, de quoi parles-tu? Tu me dis que tu as été déporté? C'est exact. Et tu es revenu avec rien? Avec rien du tout, mon cher. Hey! Francis, sais-tu que notre mère et notre père sont au courant que tu es de retour? Même tous les villageois, tout le monde, attendent le retour de Francis le Tout-Puissant. Et voilà, tu me dis ça. Hey! 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 Rien. Uchenna, pouvons-nous juste abandonner ça? Pouvons-nous juste parler d'autre chose, s'il te plaît? Je ne veux juste pas continuer à parler de mon passé pour le moment. Essayons de parler d'autre chose, s'il te plaît. Comment va maman? Comment va-t-elle? Elle va bien. Ce n'est pas Amadé que je vois là. Appelle-le. Amadé, approche. Viens ici. Quel est ton problème? Pourquoi tu te comportes comme ça? Hein? Je veux te donner 3 fois le prix de ce terrain. Dis-moi, pourquoi tu refuses ça? Écoute. Le terrain en question m'appartient. Je l'ai hérité de mon père. Mon père l'a hérité de son grand-père. Alors, c'est à moi de décider si je vais le vendre ou pas. Il n'y a aucune pression, aucune menace venant de qui que ce soit me fera vendre ce terrain-là. Personne ne t'intimide. Personne ne t'intimide. Je vais te donner 6 fois le prix de ce terrain. Je suis prêt à faire ça. Bien. Chief Donatus. Merci beaucoup pour ton offre. Mais si tu veux, offre-moi même 1 million pour ce terrain-là. La réponse est non. Je ne vendrai pas ce terrain. Alors, que veux-tu faire? Ce que je veux faire, c'est pour que toi, tu me laisses tranquille. Ce terrain-là n'est pas à vendre, s'il te plaît. Tu sais, laisse-moi te donner ce conseil. Tu es en train de commettre une grande erreur. C'est seulement un imbécile qui essaiera de se mettre en défi avec quelqu'un comme moi. Tu es en train de jouer avec ta vie. Et je te conseille d'arrêter cela parce que tu joues vraiment avec ta vie. Chief, je n'ai rien d'autre à dire. Arrête de me menacer parce que tu as l'argent. Arrête de m'intimider avec ton argent, avec tes voitures, avec tout ce que tu as. Laisse-moi mon terrain. Il n'est pas à vendre. J'ai tout dit. Vous les riches, vous devez arrêter d'intimider les pauvres avec votre argent. Arrête de m'intimider avec ton argent, tes voitures. Tu ne peux pas m'intimider. Je me suis exprimé. Ce terrain-là n'est pas à vendre. Si tu veux, tue-moi et mes ancêtres te rendront visite. Hé, monsieur, utilise ton cerveau. Uche. Tu es là. Comment tu vas, non? Je suis là. Laisse-moi apporter une chaise. Oh, amène ça. Pas de problème. Je veux vite bien, faire cette lessive. C'était vraiment ennuyant, tu vois. Ah. Et toi, dis-moi, comment tu vas? Je vais bien. Je peux voir que tu es en train de t'habituer. Hey. C'est comme quand j'étais petit. Bien sûr, c'est comme ça. Hey, frère. Comme tu es ici à présent, je voulais te poser cette question.
Ok. Depuis que tu es de retour de l'étranger, tu n'as rien dit à propos de ta femme. Je veux dire, la femme que nous avons épousée pour toi. Et cela m'inquiète. Y a-t-il un problème? Il y a un très grand problème. Tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Honnêtement, j'ai vraiment envie de voir cette fille. Même devant Dieu, je suis sincère. Une fille innocente qui s'attend vraiment à quelque chose de bien fixe. Comment pourrais-je modifier l'histoire dans son esprit? Comment puis-je le faire? Comment pourrais-je la réveiller du monde de rêve au monde de réalité? Comment pourrais-je lui expliquer que l'homme censé être le riche américain qu'il avait épousé n'est rien d'autre qu'un taximan maintenant? C'est en effet une histoire très triste à raconter. Par où puis-je commencer? Par où puis-je commencer? Ce qui s'est passé, c'est passé. Tout ce que tu as besoin de faire maintenant est de garder le moral. Accepte ta vie et fais face à la réalité. Le temps passe et on ne peut plus retourner dans le passé. Écoute, frère. Remercions Dieu que la fille en question est dans cette ville. Tout ce que nous devons faire est de nous arranger pour voir comment nous irons la voir ou la faire venir ici. S'il te plaît. Mais écoute-moi. Il n'y a aucun mais, s'il te plaît. Faisons ça comme ça. S'il te plaît. La personne avec laquelle je viens de causer au téléphone, c'est le frère de Francis. Il m'a dit que mon mari est de retour. Ah, je suis contente pour toi. Il est revenu, il est dans cette ville. Oh. Es-tu sûre? Il est ici? Oui. Francis, oh Amaka, s'il te plaît, n'aie pas la terre. Tu ne partiras pas comme ça, ma chérie. Rassure-toi que ma nourriture est prête. C'est alors que tu pourras partir. Ça, c'est bien. Ça va, hein? Oui, ça va. C'est juste la joie, oui. Ok. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je ne sais pas. Je crois que ça va faire quelques jours que je ressens ça. L'envie de vomir et aussi la fatigue. Depuis quand? Ça fait à présent 3 jours. 3 jours. Tu as pris quelque chose? Oh. Le vomissement, la fatigue. 3 jours. Sérieusement, Amaka, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien, je ne fais que vomir, c'est tout. Des vomissements? Oui. C'est déjà arrivé combien de fois? Sois sincère. Passe à tontine. Je ne suis pas enceinte. Eh, non, jamais tu de la vie. Tu peux me faire confiance, Amaka, parle-moi. Attends. Attends que je m'approche un peu. Je ne comprends pas ça. C'est quoi cette histoire que tu as commencé, des vomissements? Oh, tontine. Amaka, tu es enceinte. Je ne suis pas enceinte. Amaka, tu es enceinte. Non. Quand est-ce que ça a commencé? Parce que depuis tout ce temps, tu n'as pas encore rencontré ton homme. Et vous n'êtes pas encore mis ensemble. Alors, hey, dis-moi, comment Dieu. Est-il arrivé? Où est-ce que tu as eu ça? Dans l'air?
Non, ne reste pas calme. J'ai besoin que tu parles. Dis-moi, explique-moi. Dis-moi, c'est arrivé comment? Ça vient d'où? Ah! Tantine, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te demande pardon. J'ai fait cette erreur avec les gars qui m'avaient aidé. Hey! Amaka, tu m'as tué. Amaka! Amaka, tu... Pourquoi? Pourquoi jusqu'à ce point? Ah! Je ne sais pas ce qui m'a... Comment tu pouvais faire ça? Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas expliquer à Francis? Non, mon Dieu, c'est pas vrai. Tu venais juste de célébrer son arrivée. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? Oh, c'est terrible, hein? Tante Uche. Prends l'appel, réponds à l'appel. Dis à Uche que tu es enceinte. Je ne sais pas quoi lui dire. Oui, dis-lui que tu es enceinte. Réponds. Dis-le-lui. Aide-moi. Amaka, je vais répondre. Je vais décrocher. Allô? Amaka, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'appelle depuis. Ça, ce n'est pas Amaka. C'est sa tantine. Non. Amaka est malade. Non, pas ça. Non, elle sera... Je lui ai donné des produits. Rappelez peut-être demain, hein? Elle dort maintenant. Elle va se sentir mieux, je crois. Non, tu peux appeler, il n'y a pas de problème. On va attendre votre appel. Ok, merci. Ok, prends soin de toi. À demain. Merci beaucoup, tontine. Je ne vais plus faire ça. Reprends ton téléphone. Comment est-ce possible? Tu es partie et tu as fait tes histoires. Tu es revenue sans même me dire un mot. Quand tu es revenue, tu m'as dit que tu avais rencontré un homme américain. Tu célébrais ici. Mais tu ne m'as pas dit que tu avais couché avec lui. Si tu m'avais dit ça, tu l'as caché. Tu vois maintenant ce qui t'est arrivé. Ok. Uchenna. Uchenna. Frère. Uchenna, cela me rappelle. Ouais. Tu m'as dit que Amaka est en ville. Pourquoi n'est-elle pas encore venue jusque-là? Mon frère, je suis désolé. J'ai oublié de te le dire. Sa sœur ou sa tante, Rose, m'a appelé aujourd'hui dans la journée et m'a dit qu'Amaka ne se sente pas bien. C'est vrai ça? Mais elle ira mieux. Elle sera ici demain. Demain? Bien sûr. Oh, es-tu sérieux? Oui. Une chose de plus. J'espère que cette fille est une bonne. J'espère que cette fille est une belle fille. En tout cas, je n'ai pas l'air de plaisanter sur ce sujet. On verra. Mon frère, nous savons ce que tu aimes. Nous connaissons ton goût. Je t'assure, tu vas l'aimer. Elle sera là. C'est très bien. Je suis tellement impatient de la voir. Je ne peux plus attendre de faire un câlin à ma femme et de la serrer dans mes bras. Hey, mon frère, hein? C'est quelqu'un. Ah, Tanti Rose. Ah, non. Tanti. Comment tu vas? Bien.
Content Merci, de te Tanti. Voir. Ami, comment vas-tu? Bonjour. La manière dont vous regardez là, est-ce que vous vous connaissez déjà quelque part? Ok, laissez-moi faire l'introduction formelle. Ok. Hein? Franco, voici Amaka, la femme qu'on a épousée pour toi. Ami, voici Francis, mon frère, que tu attendais depuis tout ce temps. Maintenant, je crois que tu... Non, ça ne peut pas être vrai. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Tanti, je ne comprends pas. Excuse-moi. Franco, que se passe-t-il? Franco, qu'est-ce qui se passe? Elle t'a vu, puis elle dit non, 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 non. Francis! Franck! Francis! Quel est le problème? Amaka, ça veut dire quoi cette réaction que tu as faite devant les gens qui sont venus te voir? Qu'est-ce qui se passe? Cet homme. Oui. Cet homme que Uche nous a présenté comme bien. Mon mari. C'est les taximènes pour qui je suis tombée enceinte. Hey! Amaka. Ça veut dire quoi ça? Mais tu m'as tué. C'est lui l'homme avec qui tu as couché? C'est lui ton fils. Non. Oh Dieu. Qu'est-ce que je... Attends, attends. Dis-moi, dis-moi d'abord. Dis-moi. Es-tu sûre de ce que tu es en train de Tanti, dire? Tanti, je ne peux pas démentir. Je te dis la vérité, c'est lui. Tu te rappelles bien? Tanti, c'est vraiment c'est lui? C'est lui. Oh. Ça, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est vraiment pas bien. Attends, attends. Essaye de te ressaisir. Ressaisis-toi. Ok, calme-toi. On va réfléchir. On va trouver ce qu'on peut faire. Francis, qu'est-ce que cela veut dire? Regarde comment tu m'as humilié là-bas. Et depuis que nous sommes rentrés, c'est comme ça que tu fais le tour de cette chambre. Écoute, Francis, que se passe-t-il? Uche, je ne sais même pas par où commencer. Tu ne sais pas par où commencer. Ou tu ne sais pas le genre de femme qu'on a épousée pour toi? Non, Uche. Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, attends un peu. Uchena. Tu vois, 3 jours après mon retour des États-Unis, j'avais acheté mon taxi. Et après, quelque chose est arrivé. Allô? Oh, oh mon Dieu.
Salut. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure de la nuit? Monsieur, je me suis perdue. Vous êtes perdue? Où est-ce que vous partez exactement? Je ne sais pas où aller. Ma soeur que je suis venue rendre visite, son téléphone aussi ne passe pas. D'où je suis perdue? Écoutez, vous voyez, cet endroit est un endroit très dangereux. Vous ne pouvez pas vous promener toute seule ici, à cette heure. Hé, hey, mon Dieu, mais où vais-je aller? Ok, regardez, je vais vous emmener quelque part où vous pouvez vous reposer. Juste, venez avec moi. Merci beaucoup. Vous pouvez rester là-bas et demain, vous allez rejoindre votre tante. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. D'accord. Désolé. En fait, j'étais parti réserver une autre chambre pour toi. Mais malheureusement, le réceptionniste m'a dit que il n'y a plus de chambre disponible pour le moment. Alors, je t'en supplie vraiment, débrouillons-nous avec ça. Ce n'est pas un problème si je dors par terre et que tu dors dans le lit. Non, monsieur, il y a de la place. Pourquoi voulez-vous dormir par terre? Non. On peut se partager les lits. Non, en fait, parce que j'aimerais que tu sois vraiment heureuse, hein? Que tu sois à l'aise. Ok. Je vous comprends. Mais ce lit est très grand. Il y a de la place pour deux. Vous devez juste me promettre d'être un gentleman. Bien sûr que je suis un gentleman. Un meilleur, d'ailleurs. Alors, je dois comprendre que vous êtes un gentleman. Ouais, je le suis. Je suis un gentleman. Ok, ça va. Alors, dis-moi un peu, de quoi as-tu besoin? Je viens de... Vas-y, bois. Je prends juste un peu. Ça te réjouit, n'est-ce pas? Tiens donc, ne t'en fais pas. Ok. Encore? Oh, non. Viens, viens, viens. Prends une autre gorgée. Oh, désolé. Oh, désolé. Désolé, ok. Je peux le nettoyer. Ok. Non. Vas-y, bois. Ok, c'est bon. Ok. Est-ce que tu en veux encore? Non, ça suffit. Es-tu sûr? Es-tu vraiment sûr que la quantité suffit? Tu veux te coucher? Oui. Ok. Peut-être qu'il faudrait que je t'aide, n'est-ce pas? Puis-je? Non, je peux le faire moi-même. Ok. Attends. Oh, ok. Ça va. Oh, vraiment. Sois vraiment à l'aise, hein? Tes régions là.
Voilà en fait l'histoire. C'est ça, l'histoire. Ce n'est pas du tout bien. C'est en effet une mauvaise nouvelle. Et donc, si ce n'était pas moi, ça aurait pu être un autre mec. Et donc, c'est comme ça qu'elle va par-ci par-là coucher avec des hommes. Amaka, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu continues de pleurer? Grande sœur, juste regarde-moi. Donne-moi une raison pour laquelle je ne dois pas pleurer. J'aurais voulu être enterrée. J'ai vraiment honte de moi. Je n'arrive même pas à regarder Francis dans les yeux. J'ai vraiment honte. Amaka, tu veux que je te dise la vérité? La vérité est que... je suis contente indirectement. L'homme avec qui tu as couché, c'est lui qui était ton mari en devenir. Mais jusque-là, Francis n'a toujours rien dit. Il n'a rien dit. Ok. Dans ces cas, moi je pense que je dois le voir demain. Comme ça, je pourrai lui expliquer les choses. Dans ce sens où il comprendra. Ok? C'est facile. Cette situation est arrivée aux personnes convenables. Toi qui étais sa femme en devenir et lui de même ton mari. Alors dis-moi, où est le problème dans ça? Pourvu qu'il comprenne, non. Pourvu qu'il comprenne. Ok, je vais aller le voir demain. Je crois qu'il serait mieux si moi aussi je parlais. Oui, 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 ok, on le fera comme ça. Je dois demander à Uche son adresse. Franco, je pense que quelque chose te dérange. Qu'est-ce que c'est? Freddy, ça va aller. J'ai juste mal à la tête. Mais ça ira. Arrête et parle-moi. Je sais quand tu es heureux et quand tu n'es pas heureux. Et tu ne peux pas cacher ça parce que ça se voit sur ton visage. Écoute, laisse-moi te dire. Je suis ton ami pour l'amour de Dieu. Quelque part, si je peux intervenir, dis-le-moi, je vais le faire. Pourquoi sommes-nous amis? Freddy, mon monde est en train de s'écrouler. Mon monde est sérieusement en train de s'écrouler. Tout c'est pourquoi j'ai eu à travailler dur. Je vois les vents l'emporter. Premièrement, j'ai été refoulé pour retourner dans ce pays misérable. Et maintenant, mon mariage n'est rien d'autre qu'un accident. Oh! 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 Oh. Mon ami, j'aimerais t'aider. Si seulement tu peux m'accorder la chance. Gare, je suis ton ami, non? Fred, tu te rappelles de la fille que j'avais prise l'autre fois en cours de route? Une fille? Ouais, exact. Une fille. La fille avec laquelle j'avais couché, non? Ok. Que se passe-t-il? Ne me dis pas que c'est la femme qui te met en souci comme ça, hein? Que se passe-t-il? Fred. Oui. Tu es aussi au courant que mes parents ont épousé une fille que je n'ai pas encore rencontrée. Bien sûr, je sais, ce n'est plus une nouvelle. Et depuis que nous avons été refoulés, j'ai essayé de restructurer ma vie en restant à la maison. L'autre fois, mon frère m'a emmené chez elle pour la rencontrer. Question juste de savoir à quoi elle ressemble. Et ce que j'ai vu,
ce que j'ai vu, ma bouche se réserve de le dire. Gare. Je n'aime pas tout ce que tu fais là. Arrête de tourner autour du pot. Ouvre-toi à moi, gare. Je suis ton ami. Qu'est-ce qui te dérange? Fred, la fille que j'avais prise l'autre fois est en réalité la femme qu'on avait épousée pour moi. Qu'est-ce qui est drôle? Pardon, laisse-moi rire. Écoute, laisse-moi te dire. Si c'est de la blague, tu dois l'arrêter. Parce que ça ne sonne plus bien. La fille que j'avais alcoolisée et dont j'avais abusé sexuellement est en réalité ma femme. C'est terrible, mon gars. Uche nous a dit qu'il n'allait faire que 2 jours là-bas et revenir. Ça fait déjà 1 semaine depuis qu'il est parti. Je ne sais pas ce qui le retient. De même que moi, je ne comprends pas. Hein? Je suis perdu. Bon, selon moi, je pense qu'on doit suivre cette situation avec patience. Patience, tu as dit. Quoi d'autre allons-nous faire? Nous devons juste être patients. Je ne sais pas vraiment. Hein? Je ne comprends rien. Tu ne sais pas, mais on n'a pas de choix. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. C'est bien. Tu sens? Maman. Ça va? Je vais bien. Bienvenue, hein? Merci. Comment va ta mère? Elle va bien. Maman, papa, je suis venue savoir si vous avez des nouvelles de Uche. Mon téléphone ne marche pas. C'est pour ça que je n'arrive pas à l'appeler. Ok. S'il te plaît, maman, avez-vous de ces nouvelles? Ça fait maintenant 1 semaine depuis qu'il est parti. Ah, oui, ma fille. C'est de ça même que nous étions en train de discuter avec mon mari. Oui, avant que tu nous oui. viennes. Hein? En partant d'ici, il a dit qu'il n'allait faire que 2 jours. Ha. Ça fait déjà 1 semaine. Nous espérons peut-être qu'il va appeler. Si jamais il appelait, on va lui dire que tu t'es passé. Ok, maman. Je vais continuer à patienter. Ok. Maman, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi comme balayer ou faire la cuisine? Bon, pendant que vous êtes là, moi je dois assister à une réunion dont je t'avais parlé là. Ok. Avant ton retour, la nourriture sera déjà prête. Ça doit l'être, s'il te plaît. Au revoir, papa. Ok. Maman, m'aider, hein? J'ai des trucs à faire à la maison. Ok, maman. Obi. Oh, Uche. Grand frère, c'est comment? Bien, comment tu vas? Tu es ici en train de détendre? Que faire d'autre? Il n'y a que ça. Je souhaite prendre cela, te suivre et faire comme toi. Mais il faudra que tu respectes les règles. Non. Mais c'est comme ça que ça se passe. Mon frère, ne va pas là. Je sais ce que j'ai dit. D'accord. Frère, je vais te dire quelque chose. D'accord, vas-y. Il s'agit de quoi? Tu sais, je dois retourner au village. Tu vois, j'ai dit à maman et papa que je partirai juste pour quelques jours. Mais j'ai déjà passé 2 semaines. Je pense qu'ils seront inquiets en ce moment. S'il te plaît, j'ai besoin de retourner au village afin qu'ils sachent que nous allions bien. Ouais, tu as raison. Tu as vraiment raison, Uche. Mais tu m'aurais dit ça bien avant. Comme ça, je t'aurais arrangé une petite somme d'argent, hein? Je suis désolé pour ça. Je suis censé de te le dire depuis, mais l'idée m'est venue la nuit dernière. S'il te plaît. Ok, ça va, pas de problème. Ok, alors, quand est-ce que tu voyages? Demain matin. Ah, demain? Oui, frère. Mais c'est trop brusque, non? Hein?
Je sais. Mais on doit penser à nos parents. Tu sais qu'ils s'inquiètent beaucoup. Je dois y aller afin qu'ils me voient et leur dire que tu vas bien. Ok. S'il te plaît. Très bien, si tu insistes. Merci. Demain alors. Ouais, demain. Alors, qu'en est-il de l'homme que tu as conduit hier dont tu me parlais? Oh, les gars, je l'ai finalement rencontré. L'argent. Freddy, attends. L'argent. Pourquoi tu deviens soudainement heureux comme je ça? Je suis un homme riche maintenant. Hey! L'argent. Freddy, dis-moi quelque chose. L'argent. Hey! Je suis un homme riche maintenant. Garde, devine quoi? Qui est-ce que tu as vu? J'ai vu Monsieur Don. Attends, quel Don? Le même Don que tu connais, Don d'Afrique du Sud. Don Baba? C'est du mensonge. Mon frère, j'ai vu Monsieur Don aujourd'hui et je suis très heureux. Mec, tu mens. J'ai vu Don aujourd'hui. Nous sommes enfin arrivés. Je suis très heureux. Tu veux dire que Don est au Nigeria? Attends. Nous sommes riches. Non. Il ne m'a pas vu. Je l'ai vu de loin. Avant de l'approcher, il est parti. Hey! Gars, on va réussir. Ah! L'argent. Finalement, le ciel s'est l'argent. Nous une fois de plus. Je t'avais dit de t'apaiser, maintenant. Freddy. Allez, va m'offrir quelques bouteilles, gars. On doit Franco, les célébrer. Oui, mon oui, gars. Mec. Oh, hey, mon frère, nous avons réussi. Mec. Dieu s'est souvenu de nous. Bienvenue, madame. Merci beaucoup. J'espère que tu ne m'as pas oublié. Ah ouais? Oui. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr, installez-vous. Merci. Oui, je suis venue de la part de ma nièce. Qu'est-ce qu'elle a fait? Allez, Francis. Arrête avec cette attitude comme si tu ne savais pas de quoi il s'agissait. Écoute, peu importe ce qui est arrivé, elle reste ta femme. Une femme qui va aller coucher, qui couche avec n'importe qui? Oui, une femme qui allait coucher avec son mari. Oh, s'il vous plaît, madame, je ne veux pas qu'il y ait incompréhension entre nous, ok? Sauf votre respect. Si ce n'était pas moi cette nuit-là, ça aurait pu être une autre personne. Oui, mon cher, nous ne sommes qu'en train de parler le même langage. Si ce n'était pas... elle, ça allait être une autre femme. Je ne sais d'où. Ce serait peut-être une folle, une prostituée de quelque part. Réfléchissons un peu, regarde-toi. Tu as pris les kilos de me dire que ma nièce ne te mérite pas. Elle ne peut pas être ta femme. Et toi, es-tu d'une d'être son mari? Réfléchissons un peu. Tu as vu une fille que tu ne connais pas en cours de route. Beaucoup d'autres hommes l'ont vu, ils sont passés. Mais toi, tu l'as vu, tu t'es arrêté. Sous prétexte que tu es venu comme une aide, juste pour l'assister. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu avais fait confiance, parce que tu l'as approché pour assistance. Qu'est-ce que tu as fait, jeune homme? Tu l'as mené, je ne sais où. Où tu es allé profiter d'elle. Je n'ai pas encore fini, laisse-moi finir. Tu l'as embourbé d'alcool jusqu'au point de s'endormir. Et tu as profité de cette innocente fille.
S'il vous plaît, madame, je peux supporter tout de votre part. Mais je ne peux pas vous permettre de m'insulter dans ma propre maison. Je n'ai pas encore fini avec toi. Un homme irresponsable comme tu es. Tu n'es pas un gentleman. Vous me dites ça à moi? Je t'ai dit vrai. Si moi j'étais à la place de ma nièce... Mon hospitalité pour vous vient d'expirer, madame. S'il vous plaît, si vous n'avez rien d'important à me dire, je vous suggère d'utiliser la porte. Je ne sortirai pas d'ici tant que je n'ai pas encore fini de parler à toi. Un irresponsable que tu es. Tu es un bon à rien. Je ne veux pas. On ne peut même pas t'appeler un gentleman parce que tu n'en es pas digne. Tu peux me chasser de ta maison. Ça m'est égal. Je m'en fiche. D'ailleurs, tu as de la chance que je sois venu ici pour te parler. Prends le temps de me regarder. Et regarde-toi toi-même. Et tu oses dire à ma nièce qu'elle n'est pas digne de t'avoir. Et toi, es-tu digne de l'avoir comme un homme? Je pense que mon hospitalité vient d'expirer. S'il vous plaît, veuillez sortir. Messieurs le chien, laisse-moi te parler. Tu vois cet acte que tu as posé à ma nièce? Poser ta semence dans ses entrailles qui est en train d'évoluer. Elle est enceinte. Si tu veux être appelé homme, prends la responsabilité de ton attitude irresponsable de cette nuit-là. Je ne le ferai surtout pas. Veuillez juste déguerpir de ma maison. S'il vous plaît, sortez. Sortez car je ne veux plus jamais vous voir. Et moi non plus, je ne veux plus te voir. Je ne veux surtout pas si vous pousser. Si j'étais ta sœur, je vais vous pousser. Je vais vous pousser. Pousser qui? Tu oses ouvrir ta bouche pour me parler? Chauffeur de taxi, un bon à rien. Va compléter ton éducation. N'importe quoi. Tu as de la chance. C'est ça la situation dans laquelle nous nous retrouvons. C'est ça exactement. Tantine, donne-moi son adresse. Je dois aller le voir moi-même. Es-tu sûre de ce que tu dis? Pour l'amour du ciel, Tantine, la personne dont nous sommes en train de parler, c'est mon mari. C'est le papa de cet enfant que j'ai dans le ventre. Je dois aller le voir. Il est grand temps qu'il me voie. Peut-être que dans cet état enceinte, il va m'accepter. Je dois aller le voir. Ok. Si c'est ça le sentiment que tu as maintenant, alors, tu planifies aller là-bas quand? Demain. Pas de problème. Je vais te donner son numéro et son adresse à domicile. Ok. Ça est dans mon sac. Pas de problème. Je vais te le donner. Fais-le pour moi, tontine. Mais sinon, je ne suis pas contente de lui. Bienvenue, Uche, mon fils. Merci, maman. Tu dis la raison pour laquelle ton frère n'est pas venu avec toi, c'est parce qu'il est occupé. Mmh. Après toutes ces années passées de son absence. Oui. Uche, hein? Je crois que tout va bien. Papa. Maman. Tout ne va pas bien. Uche, qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-nous savoir, peu importe ce que c'est. Dis-le nous. Mon frère Francis a été déporté. Déporté quoi? Déporté. Déporté? Hey! Qu'est-ce que tu as dit? Ça, ce n'est pas normal. Nos ennemis. Ce n'est pas normal du tout. Nos ennemis. Nos ennemis. Nos ennemis. Sais-tu ce que ça signifie, déportation? Et tu nous demandes pourquoi? Mais arrête de crier, non? Tous les villageois vont vous écouter, maintenant vont commencer avec le commérage. Qu'ils entendent. Mais voulez-vous qu'ils sachent que mon frère a été déporté? Qu'ils attendent, Uche. Ah ouais. Ok, Uche. Où est alors la femme qu'on avait trouvée pour lui? Elle est à la cité. Donc, ils ne se sont pas rencontrés. Étant donné que notre fils était à la cité après la déportation. C'est ça? Papa, c'est ça le vrai problème que nous avons maintenant. Quel problème? Quel problème encore? Papa, vous savez que le jour où Amaka a quitté ici pour la ville, selon elle, elle a été bloquée. Et la personne qui l'a récupérée était mon frère Francis. Sans le savoir. Sans le savoir. Francis l'a emmené dans un hôtel. L'a hébergé là-bas. Et ils ont fait l'amour. Eh, abomination! Et où est le problème? Il a fait l'amour avec sa femme, ce n'est pas un problème. De quoi parles-tu? Tu ne comprends pas.
On ne les a pas encore fait rencontrer. Mm-hmm. Ils ne devraient pas se rencontrer dans cette situation. L'homme, au lieu de venir au village, il était à la cité. Mm-hmm. Alors la femme qu'on devrait lui présenter l'a rencontrée en route. Mm-hmm. Alors lui a voulu l'aider, il l'a amenée à l'hôtel. Et ils ont fait l'amour. C'est une abomination. Eh oh. Ils ne se sont pas encore connus. Hein? Eh oh. Francis a joué avec une fille qui est censée être sa femme. Hein? Ils se sont rencontrés par hasard comme ça. Et ils finissent où? Dans une chambre d'hôtel. Ils ont fait l'amour. Abomination. Hey. C'est une abomination. Hey. Une abomination. Hey. Mais Sinsimu, où est ta bachala? Maintenant j'ai compris. Mmh. On a préparé maintenant pour toi et tu manges compris. Avant que la nourriture ne soit prête. Maintenant oh. J'ai compris ce qui se passe. Oh. Hey. Vous savez, je ne peux pas croire que mon frère conduit un taxi en ville. Regardez quelqu'un qu'on pensait qu'il était millionnaire à l'étranger. Il a été déporté en cachette et est revenu pour devenir un taximen. Hey. Pouvez-vous comprendre ça? Hey, je suis fini. Pouvez-vous le comprendre? Vous allez me tuer, arrêtez. Nos de ennemis. Vous allez me tuer. Nos ennemis sont en train de travailler. Maman, hey. Ça va. Hey. Ça va, non? Ça va. Mais non, qu'est-ce qui est bien? J'ai raison de dire que Messinsimu Abataron Chara. Papa, oublie tes miséricordes dans ce moment. Non, c'est vrai. Oublie. Untaron Chara. Quel s'évapore? Ne pense pas que je serai content pendant que je suis censé être triste. Obi. Ah, hey. Gemo. Hey. Obi. Oh, tu m'as vraiment manqué. Tu m'as manqué. Est-ce aussi. Toi? Oui. Oh, non, je suis pas d'accord. Tu m'avais dit que tu partais là-bas pour 2 ou 3 jours, mais tu es resté là-bas pendant 2 semaines. Je suis désolé. Tu sais, quand je suis arrivé en ville, ce que j'ai vu n'est pas ce que j'attendais. Qu'est-ce que tu as vu? Je suis sûre que tu as vu beaucoup de vie. Tu vois, je le disais. Mon amour, je n'ai vu aucune fille. Hein. Écoute, laisse-moi te dire, dans tout le village, toutes les filles dans ce village et en ville, aucune n'est égale. Es-tu et si tu peux écouter ton cœur parler, tu sauras que je t'aime mais beaucoup. Mais t'es très gentil. Et non une autre. Oh. Où vas-tu? Ma mère m'a envoyé chez son amie. Ah, et je vais chez toi comme ça. C'est vrai. Pour passer un peu de temps avec toi. Tu sais que ça fait un peu longtemps. T'inquiète pas. Je pars rapidement, je fais vite et je viens chez toi. Oui, je vais venir chez toi à la maison. Allons-y alors. Oui. Cette femme. Medima. Ah, ma belle-sœur. Allez, sors. Pourquoi tu cries mon nom comme ça? J'espère que tout va bien. Qui te dit ça? Medima, pendant que tu as tout gâché, nous ne sommes plus en relation de belle famille. Est-ce une querelle? Nous nous querellons. Medima, pourquoi tu m'as pas dit que tu n'avais pas bien entraîné ta fille? Celle que tu m'as donnée comme belle fille, c'est une honte. Ma chère, je t'en prie, fais-moi comprendre. Maman Francis, de quelle fille es-tu en train de parler, s'il te plaît? Tu me demandes laquelle de tes filles dont nous parlons ici? Calme-toi et parle-moi. Laquelle de tes filles nous parlons souvent, moi et toi? Si ce n'est pas Amaka, ta fille, la prostituée. Ma fille Amaka. Hein? Celle qui s'est fait traîner elle-même dans la rue et ouvre ses jambes à n'importe qui, n'importe comment. Quelle honte! Ma fille Amaka. Oui. Une prostituée. Ma fille n'est pas une prostituée. Hein? Oui. Alors comment est-elle, je te demande? Celle qui est partie à la cité, juste pour commencer à ouvrir ses jambes à n'importe quel homme qui l'approche. Comment on peut appeler ça? N'est-elle pas une prostituée? Hein, mais des mains, tu te demandes? Hein? Maman Francis, s'il te plaît, je ne vais pas te permettre d'insulter ma fille dans ma propre parcelle. Je ne vais pas te le permettre. Hein? Oui, sors de chez Qu'est-ce moi. Que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais Qu'est-ce faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu me demandes qu'est-ce que je vais faire? Laisse-moi te dire, ta fille, c'est une disgrâce dans ce ma village. Ma fille. Ta fille, c'est une disgrâce. Ma petite dans fille, ton village, une honte. Dans notre village. Ma petite dans fille. Le village entier. C'est d'elle que tu t'es parles. Ta mère, ta fille. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu oses me chasser de ta parcelle? Lâche-moi. Hein? Maman, toi. Tu oses me chasser? Reste-toi qui ne veux pas indiquer ta fille. Hein?
Ta fille prostituée, qu'est-ce que ta fille qui est mal éduquée? Qu'est-ce que tu fais? Tu es une mère de prostituée. Tu es une mère de prostituée. Tu ne sais pas éduquer ta fille. Odogwe pego. Oka simsiku ekwado. Mkuma dago. Après tout ce que je t'ai fait, Don, tu décides de ne pas me donner le fruit de mon labeur afin que je le jouisse. Je vais te montrer que la tranquillité du lion ne veut pas dire qu'il est paresseux. Donne, tu as osé, oh. Donne, tu as vraiment osé, toi. Après tout ce que j'ai eu à subir, et même le fait que je sois refoulé, donne, tu as osé. Donne, tu n'aurais pas dû oser. Je vais t'écraser. Donne, je vais t'écraser. Désolé, je vais te rappeler. Franco, qu'est-ce que c'est? J'observe ton humeur depuis un moment et cela m'inquiète. Ne me dis pas que c'est à cause de ta femme. Peut-être si tu ne le sais pas, laisse-moi te dire. Tu ne peux rien faire du passé. Ce qui doit arriver est déjà là. Aussitôt, tu essaies de le comprendre, mieux le sera pour nous. Freddy, pourquoi la vie est-elle si méchante? Hein? La vie est tellement méchante et injuste, surtout pour moi. Ah ah! Odogu, je ne sais pas de quoi tu parles. Freddy, j'ai vu Bobby aujourd'hui. Qui est Bobby? Bobby de l'Afrique du Sud, non? Combien de Bobby connais-tu? Bobby. Que se passe-t-il? J'ai vu Bobby et je n'ai pas pu croire mes yeux. Bobby a fait beaucoup d'argent. Bobby a fait plus que beaucoup d'argent. Et quand j'ai vu Bobby aujourd'hui, j'ai cru que c'était dans un rêve. Alors, qu'allons-nous faire? Ne penses-tu pas qu'on doit l'approcher? Que penses-tu? Boss, ces hommes sont ici encore. Mais cette fois-ci, ils sont là avec deux autres hommes. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je ne leur ai rien dit, boss. Je les ai juste vus à distance. Et j'ai décidé d'amener l'information à votre connaissance, monsieur. Alors, dégage-les. Tel que vous le dites, boss. «
Francis, s'il te plaît, je suis désolée. Pardonne-moi. Je t'en prie, Francis, pitié. Pour quelle raison es-tu désolée? Pourquoi es-tu désolée? Et donc, c'est comme ça, hein? Tu vas dans un hôtel avec un homme que tu ne connais pas. Et tu as fini par coucher avec lui, c'est ça, hein? Mais cette personne était toi. Tu as raison. C'était moi, et oui, je le sais. Et quand nous étions en train de le faire, qu'est-ce que tu avais en tête? À quoi tu pensais? Avais-tu la moindre idée que j'étais le mari que tu étais en train d'attendre? Tu ne savais pas. Et c'est ça que tu as l'habitude de faire avec chaque homme que tu croises en chemin? Non. Tu sais que cette nuit, j'étais perdue. Tu sais bien ce que j'avais connu ces jours-là. Je n'avais pas d'autre choix. Je ne pouvais qu'accepter. Je sais absolument tout. Amaka, je sais exactement tout ce qui s'est passé cette nuit. Mais comme une femme mariée, n'es-tu pas censée être prudente pour savoir si cet homme pourrait abuser de toi ou te laisser en vie? Mais ce n'est pas ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait, c'est t'enivrer. Tu t'es détendue et tu as donc facilement ouvert la porte pour qu'il entre. Cette personne n'était rien d'autre que mon mari. Peu importe ce qui s'est passé, tu es mon mari. Marie? Oui. Moi? Toi? Moi, Francis, ton mari. Écoute-moi, tout ce qui nous lie prend fin aujourd'hui. Non, non, Francis, tu ne peux pas faire ça. Je n'aimerais plus poser mes yeux sur toi, Amaka. Francis, je t'en prie, pardon. Sors de ma maison. Pitié, pas ça. Amaka, sors de ma maison en paix. Ne me fais pas ça, pardon. Pitié, sors. Francis, pas ça, s'il te plaît. Je t'en prie. Oui. Amaka, lève-toi et quitte ma maison. Pitié. Sors de ma maison, je ne veux surtout pas te toucher. Pitié. Pardon. Sors de ma maison, je ne veux pas faire un truc méchant ici. Allez, non. Sors d'ici. Francis, arrête. Allez, sors d'ici. Allez, vas-y, dehors. Finalement. Le lion est sorti de sa cage. Jeune homme, si j'ai bonne mémoire, je ne me rappelle pas d'avoir, tu sais, un deal avec toi, je veux dire. Pourquoi cette démonstration soudaine? Bien, écoute-moi. Lorsqu'un oiseau apprend à voler sans patiner, le prédateur va l'attraper sans hésiter. Pourquoi veux-tu refuser de m'accorder une audience la dernière fois que je t'ai venu te voir? Pourquoi? Que veux-tu? Donc, tu me demandes ce que je veux. Il me demande ce que je veux. Donc, pourquoi veux-tu refuser de payer Francis et Freddy? L'argent pour les derniers deals, pourquoi? Dis-moi, en quoi cela te concerne? Tu veux prendre des comprimés à la place des maux de tête d'une autre personne? En quoi cela me concerne? Bien sûr! Même la Bible dit que tout celui qui travaille mérite un salaire. Pourquoi refuser de les payer? Mais dis-moi, pourquoi? C'est un peu malheureux qu'un jeune homme comme toi veut danser la danse de Sugaré. As-tu oublié que la danse de Sugaré est une danse des esprits? Donc, écoute, je ne danse plus cette danse-là, désolé. Par contre, je danse la danse du diable lui-même. Parce que je suis la peur qui fait peur à la peur. Ah. Voilà donc ce que je suis. Je vais te dire ce que tu ne sais pas. Un enfant ne doit pas chercher à savoir ce qui a tué son père. Si cet enfant cherche à savoir ce qui a tué son père, il deviendra une victime. Hein? Va et sors de cette affaire. Tu es très jeune. Tu sais, de t'impliquer dans une chose pareille avec Don. Don, je vais partir. Mais je vais te laisser un seul mot. Rappelle-toi, aucun roi ne peut l'être sans son peuple. Oh oui, Don. Don, si je te raisonne, tu vas craindre la peur. Si je te raisonne, tu auras peur de la peur. Allons-y.
Donc, si je te raisonne. Ifoma. Ma sœur. Pourquoi c'est toujours sur la corde? Ma sœur, ça n'a pas encore séché, non? C'est vrai, ça. Je vais enlever ça. Tu risques de les salir en les touchant. Dégage de là, toi aussi. Regarde derrière toi, grande sœur Chika. Hey. Où tu es sa petite sœur? Ma sœur. Tantine. Bon après-midi. Bonjour. Comment vous allez? Ça va? Oui, ça va. Où est passée Adane? Je croyais qu'elle était là. Elle était partie au marché. Je crois qu'elle rentre déjà. Ah, ma sœur. Tu peux t'asseoir et l'attendre. Oh, merci. Je vais l'attendre. Pourvu qu'elle ne traîne pas. Ma sœur, je vais te demander quelque chose. Je t'écoute. Es-tu au courant de la nouvelle qui circule dans le village? Nouvelle dans ces villages? À propos de sœur Amaka. Amaka, celle qui s'est mariée à un homme qui vit à l'étranger? Merci. Non, je n'ai rien entendu. Peut-être que tu dormais. Radio sans batterie. Qui t'a demandé? Ma sœur, tu sais, on a entendu. On a appris qu'elle devait aller à la cité pour voir sa sœur. Arrivée là-bas, elle a commencé à coucher avec des hommes. Et pas seulement avec le jeune, mais avec les hommes mariés. Enfin, elle a été engrossée. Attends, laisse-moi comprendre ce que tu viens de dire. Tu essaies de dire qu'Amaka était partie en ville. Et elle a commencé à coucher avec n'importe quel homme, bien que son mari vit à l'étranger. Oui. Je ne crois pas. Mais un instant. Mais comment es-tu au courant? Qui t'a raconté ça? La nouvelle est répandue ici dans le village. Tu vois sa belle-mère? Elle est allée dans la maison des parents de Amaka. Elle a commencé à engueuler sa maman pour dire qu'elle n'a pas bien entraîné sa fille. Tu veux dire que sa belle-mère s'est rendue chez sa mère pour se battre avec elle? Mais pourquoi? Non, ce qu'elles ont fait, c'est mal. C'est vraiment mal. Elle n'était pas obligée de faire ça. Maintenant que je te parle, là, la nouvelle est déjà répandue dans tout le village. Je suis même d'ailleurs étonnée que toi, tu n'es pas au courant de ça. Non, je ne l'ai pas entendu. Ni t'étais-toi, je n'allais pas savoir que de telles choses s'est passées au village. Et toi, tu es toujours dans la maison, non? Comment tu sauras même? En tout cas, toi. Mais peu importe, la Amaka que je connais n'est pas comme ça, c'est pas elle. Même si cela s'est produit, je suis sûre qu'il y a une raison. Oui. N'oublie pas que les gens qui font comme ça, semblant comme des religieux, ce sont eux-mêmes qui font le pur, maintenant. Vraiment? Oui. Et tu crois qu'Amaka peut faire ça? Je ne fais confiance à personne, même ma sœur là. Je n'ai pas confiance à elle. Es-tu sûre que tu t'es fait confiance? J'ai confiance à moi-même, bien sûr. Moi aussi, je ne te fais pas confiance. Je crois que je dois partir. Elle est déjà en train de rentrer, non? Non. Si jamais elle revenait, dites-lui qu'on va se rencontrer le soir à la rivière quand on ira puiser de l'eau. Dites-lui. Tantine, je vais vous suivre. Okay. Non, ne nous suis pas. Tu parles beaucoup, Jules. C'est quoi ton problème? Parler du mal de cette fille, c'est tout ce que tu as trouvé à faire? Ta bouche va te tuer un jour. Ah, ma sœur, est-ce que j'ai menti? Va-t'en, va balayer. C'est injuste ce que tu fais. Maman, je suis vraiment déçu. Maman, comment pourrais-tu aller chez les parents d'Amaka, les embarrasser d'une si mauvaise manière? Hein? Maman, ce que tu as fait était mauvais. Je suis vraiment déçu. Ça, c'est vraiment incroyable. Hein? C'est vraiment incroyable. Ogodia, ce que tu as fait était très mal. Hein? Pourquoi étais-tu parti embarrasser cette femme? C'est quelque chose qu'on devrait résoudre ensemble. L'erreur est commise par nos enfants. C'était à nous de la résoudre. Mais regarde ce que tu as fait. Tout ce village a été choqué. Hein? Il y a eu panique. Tout le monde maintenant parle à cause de tes actions. Hey! Écoutez, ne me blâmez pas. Ne me blâmez pas pour ce que je fais. Ne me blâmez pas. Oh. Je fais ce que je fais, comme une bonne mère. Donc vous vous attendez que je reste calme. Dans ces cas ici. Hein? Nedia doit bien éduquer ses enfants. D'ailleurs, laissez-moi vous dire. Je ne regrette pas ce que je fais. En fait, je ferai encore plus que ça. Non, je maman, tu ne le feras pas. Tu ne le feras plus. Et viens fermer ma bouche et lier mes maman, pieds. Maman, écoute, quoi que tu dises, ce que tu as fait est mauvais. Tu dois accepter que ce que tu as fait était mauvais. Ce que j'ai fait, c'est une bonne chose. C'est ce que j'étais censé faire. Ça, c'est incroyable. Maintenant, tout le village parle. L'information est un peu partout. Tout est en feu.
Parce que tu es allé là-bas pour dire ce que tu n'es pas censé dire. C'est parce qu'elle ne sait pas comment serrer ses jambes. Elle ne sait pas fermer ses jambes. Cette histoire est incroyable. Incroyable! Elle ouvre ses jambes en désordre partout, ça et là. Très incroyable. Hein? Quelqu'un qui te vient dans le cadre de l'assistance. Directement, tu ouvres tes jambes. Bien. Je ne savais pas que cette fille ne le méritait pas. C'était une honte. Ses pieds ne restent pas sur place. Partout, en train de se démener. Et vous voulez que je reste calme? Cette affaire est incroyable. 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 Amaka, tu pleures. Je ne vais même pas te demander comment ça va. Parce que je peux voir sur ton visage que ça ne va pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Tantine, regarde-moi. C'était comment? Francie a dit que notre mariage, il n'y a plus rien. C'est fini entre nous. C'est ce qu'il a dit? Il a dit ça? Pourquoi? Comme si cela n'était pas assez. Il m'a jeté hors de sa maison. Francis. Francis t'a chassé de sa maison? Pourquoi il peut faire ça? Est-il fou? Hein? Il est devenu malade? N'est-ce pas que c'est lui qui t'a amené dans cet hôtel et il a couché avec toi? Mais c'est l'homme. Ferme-la, mon ami. Quel homme? Hein? Je suis perdue. Si c'était un gentleman, allait-il faire ce qu'il a fait? Allez, Amaka, ça d'ailleurs n'est plus mon problème. Francis s'est dressé de sa maison ou quoi là. N'est plus mon problème maintenant. Tu sais que ta mère m'a appelé à partir du village? Oui. Elle m'a dit que le mari de Francis est venu chez elle pour la battre. Elle a commencé à l'embarrasser dans tout le village. En train de propager la nouvelle comme si c'était quelque chose de bien. Je sais qui elle est. La mère de Francis est une commère. J'aurais souhaité poser mes regards sur elle. Comme ça, je lui donnerais des honneurs qu'elle mérite. Alors, essuie tes larmes. Arrête de pleurer à propos de cet homme, Francis. Arrête, arrête même. Tu as fini quoi? Arrête de te quitter à propos de ce problème. Tu vas te faire du mal pour rien. Mon Dieu. Non, dis-moi. Qu'est-ce que Francis t'a fait à l'hôtel? Tu avais aimé ça? Tu avais aimé ça, non? Tu avais aimé ça? Alors oublie ça! S'il te plaît! Ah ah! Elle a ses jouets de toi! N'importe quoi! Thank you.